rejoindre les filles du coup. Je sais pas ce que j'ai, je tremble. Je fais que trembler de mes mains. Mais bon. J'ai mis une tenue de piscine plage. J'ai mon maillot en dessous. Une jupe avec un petit top. Et voilà. Et je vais me détendre. Pas trop de story aujourd'hui parce qu'on chill. Donc je vous montre cette bonne pastèque qui a l'air bien sucrée. Je vous montre surtout mon bébé qui a grandi. Regardez, il est avec Stayesh. C'est-à-dire que nous, on est là. Et Kenan, il devient assez suffisamment autonome en tout cas pour jouer seul. Alors Stayesh, elle a l'œil sur lui évidemment et on n'arrête pas de le surveiller. Mais il a ses brassards. Il s'est fait un petit groupe de copines. Ils font des châteaux de sable. Et ça, en tant que parent, je vous jure, sortir un petit peu de tout ce qui est vraiment bébé, etc. Et le voir se débrouiller, le voir arriver à faire plein de choses tout seul, c'est un kiff incroyable. Et les parents, on se comprend, vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait trop plaisir de le voir comme ça. Il s'amuse, il est sage. Et nous, on est là, on chill tranquille, quoi. C'est reparti. Ce soir, on est sur une belle soirée, donc on a plusieurs occasions à fêter. C'est l'anniversaire de Monsieur Béni. Donc on est venu spécialement pour ça à la base. On rajoute aussi nos 14 ans pour faire encore plus la fête. Vous savez que nous, on aime bien ça. Et on est sur une table de malades. Pensez-vous que ce soit raisonnable de prendre un dessert? Pensez-vous que moi ou alors Zayn sommes raisonnables? Tu es raisonnable ou pas? Très raisonnable, hein, Dilara? Bonjour! Je sais, oui. Des grosses patates, toutes des grosses patates. On a Stayesh qui nous a fait une superbe dégustation. Je vais lui faire la même chose avec l'un des meilleurs fondants au chocolat que je connaisse. S'il vous plaît, regardez-moi ça.